Consolez, consolez mon peuple, dit l'Éternel. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame : Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Son bras lui soumet tout. Voici le fruit du travail avec lui et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Que ces paroles du prophète Ésaïe soient pour chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, consolation et grâce de la part de notre Dieu qui est Père, Fils et Esprit. Amen. Bienvenue à vous pour ce moment de culte où nous nous mettons à l'écoute d'une parole qui nous vient d'ailleurs, qui nous précède et qui creuse en nos silences des sillons d'espérance. Nous fêtons aujourd'hui le deuxième dimanche de l'Avent, cette période mise à part pour nous préparer intérieurement à la naissance du Christ dans le monde et dans nos vies. C'est une période d'attente. Loin que l'on perde son temps à attendre, c'est le temps que l'on ne passe point à attendre qui est temps perdu, nous dit François Cassingène à Trévédy. Alors oui, attendons. Laissons l'Avent être pour nous une période qui interroge notre disponibilité, qui creuse notre désir, qui laisse une transformation se faire, invisible peut-être. Une période qui prend la mesure de nos obscurités et qui laisse monter en nous le désir de la lumière. En ce deuxième dimanche de l'Avent, nous allumons deux bougies, symbole de cette lumière que nous voulons attendre et désirer dans nos vies. Éternité.
mon Dieu avec les mots du psalmiste. J'écoute. Que dira l'Éternel Dieu ? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui l'aiment et le respectent. Et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, ses pas traceront le chemin. Je vous invite à la prière. Je suis si loin, Éternel, de l'amour, de la vérité, de la justice et de la paix, et plus loin encore de leur rencontre. C'est le chaos en moi. Mon cœur d'un côté, ma raison de l'autre, les deux éparpillés en mille morceaux. Autour de moi, le tourbillon d'événements multiples, d'impératifs contradictoires menace de m'emporter. Pourquoi suis-je ce carrefour de tant de routes ? Je voudrais être une, et je suis plusieurs. Je voudrais pouvoir t'écouter et t'attendre, Éternel. Mais il y a trop de voies, trop de routes. En toi, je voudrais chercher les questions et les chemins. J'ai besoin que tu viennes creuser en moi l'espace et le silence. J'ai besoin que tu viennes en moi attendre et mettre le désir de toi. Oui, Éternel, apprends-moi à t'attendre et à t'aimer pour que le multiple de ma vie devienne un dans ton cœur. Au fond de nos silences, il y a ton nom, Éternel. Au cœur de nos faiblesses, il y a ta résurrection qui attend la plénitude. Au fond de nos discordes, il y a un souffle doux et léger qui fait la paix. Dans les questions que posent nos vies, ce n'est pas ta réponse, mais c'est toi-même, infiniment là, qui nous aide à répondre. Recevez cette parole de grâce transmise par la première lettre de Pierre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre,
mais il veut que tous et toutes parviennent à la conversion. Amen. Tant de l'avant, tant de l'attente, et jamais cet avant 2020 n'aura porté aussi bien son nom. Vous vous souvenez peut-être encore des vœux que nous avons échangés au début de l'année 2020, le 31 décembre, avec tous les jeux de mots plus ou moins inspirés auxquels ce chiffre a donné lieu. 2020 de toutes les ivresses, santé 2020. Qui eût cru ? Qui eût cru à l'époque, dans ce monde encore si sûr de sa sécurité et de sa puissance, que 2020 serait l'année marquée non par la santé, mais par la maladie. Non par l'ivresse, mais par le virus. Un virus qui s'est installé chez nous, se jouant de tout et de tous, et dont la virulence a été telle que chez nous, tout s'est arrêté d'un coup. Nous avons tout arrêté, ou plus exactement, nous avons tous été mis aux arrêts, prier de rester chez soi par des gouvernements qui se sont transformés, chez nous du moins, en protecteurs, fervents défenseurs de la vie et de la santé pour tous. Qui eût cru que nous serions ainsi contraints, nous qui avions pris l'habitude de vivre à 100 à l'heure, de flirter sans cesse avec les limites de l'espace et du temps, contraints à ne plus pouvoir faire quelques pas, compter dans certains pays, en dehors de chez soi, de ne plus bouger, de n'en plus bouger. Tant de l'avant, tant de l'attente. Qui eût cru donc que cette année 2020 serait définitivement marquée par l'attente ? L'attente devant les magasins au printemps dernier, quand tout le monde s'est mis sagement à faire la queue comme tout le monde. L'attente de pouvoir franchir à nouveau les frontières que depuis 30 ans au moins plus aucun douanier ne gardait et que nous avions pris l'habitude de traverser en trombe nos coffres chargés de vin, de fromage et de viande et qui là pour le coup étaient barrés par des blocs de béton ressortis tout droit des caves où ils avaient été entreposés depuis la Seconde Guerre mondiale. L'attente bien plus grave, celle-ci, de pouvoir revoir sa vieille maman dans l'EMS dont les portes étaient refermées comme celles de forteresses devenues imprenables, que plus aucun d'entre nous ne pouvait franchir, même pour leur tenir la main le temps de leur dernier soupir. L'attente, enfin, qui, pour tant d'entre nous, dure encore, de pouvoir retrouver son activité professionnelle, l'attente des artistes, des cafetiers et des restaurateurs, l'attente de toutes ces professions mises en état de veille sanitaire.
Qui eût cru donc qu'à l'aube du 21e siècle, après 75 ans de prospérité, de sécurité et de paix, nous nous retrouverions, nous, frappés, paralysés, mis aux arrêts comme le furent avant nous. Tant d'hommes, tant de femmes, tant de peuples, à travers le monde, à travers l'histoire, dont nous devenons subitement les contemporains par la crise que nous traversons à notre tour et qui ramène des souterrains de l'histoire les questions qu'ils se posaient eux-mêmes. Jusque à quand? Encore combien de temps? Avez-vous reconnu les interrogations qui ponctuent nos vieux psaumes? Les entendez-vous résonner aujourd'hui dans nos familles, dans les rues de nos villes, dans nos conversations, et retrouver aujourd'hui toute leur actualité? Bien sûr, la différence, c'est que ces questions, on ne les adresse plus à Dieu, on se les pose à soi-même ou au Conseil d'État, mais ce sont les mêmes, nés d'une même impatience, d'une même incertitude, d'un même désir d'en sortir, de s'en sortir, surtout d'en finir avec l'attente et d'ouvrir enfin une nouvelle page, de poser le pied sur une nouvelle terre et de rêver, pourquoi pas, à de nouveaux cieux. Ouvrir l'Ancien Testament à la page de certains psaumes et des prophètes qui vécurent l'effondrement, pas l'effondrement du monde qu'évoquent les collapsologues aujourd'hui, mais au moins l'effondrement de leur monde, qui était quand même le centre de leur univers. Ouvrir l'Ancien Testament à la page de celles et ceux qui vécurent la chute de Jérusalem sous les coups de Nabucodonosor en 587 avant Jésus-Christ, c'est entrer à notre tour dans un univers marqué par la crise et un univers où, comme nous, avant nous, on a pensé la crise. Thomas Römer, professeur et administrateur du Collège de France, a signé en 1995 dans une revue de théologie et de philosophie, un article qu'il a intitulé « L'Ancien Testament, une littérature pour temps de crise », où il montre la diversité des réactions devant la crise, depuis celle du prophète Amos qui va dire « C'est la fin, tout est fini, tout est terminé, on ne s'en relèvera jamais, il y a eu trop d'abus, trop d'injustices ». Cette société pourrie par la recherche égoïste du profit n'a que ce qu'elle mérite, la mort, la ruine. On va de ces réactions extrêmes comme celle du prophète Amos à des réactions plus contrastées comme celle du prophète Ésaïe qui, bien qu'il partage la critique économique et sociale d'Amos, dessine néanmoins un avenir et une espérance, c'est-à-dire vit une attente marquée quand même par la certitude que Dieu n'a pas dit son dernier mot, que tout n'est pas fini et que la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Et il se jette donc à corps perdu dans l'écriture de ce que les érudits appellent le livre de la consolation d'Israël, parce que le prophète l'ouvre avec ces mots mêmes que Sandrine Landau vous a proclamés au moment d'ouvrir ce culte, « Consolez, consolez mon peuple !» Je traduis et je développe, « C'est assez, cessez de l'accabler, cessez de l'accabler maintenant. Consolez mon peuple, parlez au cœur de Jérusalem. » Et dites-lui que son calvaire touche à sa fin, que son attente est terminée, qu'elle a payé pour le prix de ses fautes. Oui, une voix retentit dans le désert, cessez de vous lamenter. Une voix crie, fixez vos regards en avant,
Retroussez vos manches et préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers et aplanissez la route pour notre Dieu. » C'est qu'Ésaïe, au fond, contrairement au collapsologue dont Amos est le grand-père, Ésaïe n'est pas seulement prophète, il est aussi et par-dessus tout un immense poète. Ésaïe, écoutez bien ceci, c'est le poète de la lumière dans les ténèbres du monde. Souvenez-vous de ces paroles qui éclairent chacune de nos veillées de Noël. Le peuple qui marche dans les ténèbres a vu une grande lumière. Une lumière s'est levée sur le peuple qui marchait dans le pays de l'ombre de la mort. Ésaïe, c'est le prophète de l'enfance dans la vieillesse du monde. Souvenez-vous là encore de nos veillées de Noël. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il porte l'avenir sur ses épaules. On l'appellera Dieu très fort, conseiller merveilleux, prince de paix. Ésaïe, c'est le poète qui inspire quand le monde autour de lui expire. Pourquoi ? Parce que son attente a toujours été habitée par l'espérance. Parce que son attente a toujours été grosse de l'espérance que dans un vieux monde pourri, dans un vieux monde qui craque de toutes parts, un nouveau monde est déjà à l'œuvre, en train de se construire et de se fortifier. Un nouveau monde pousse déjà, surgit non pas d'on ne sait où, ni qui vous tombe dessus comme ça du haut du ciel, mais qui, embryonnaire, est déjà en gestation et va naître d'un rien, surgir d'un surgeon, pousser d'un surcroît et devenir bientôt rameau. Rameau qui fleurira et qui ouvrira une nouvelle page dans l'histoire du monde. Tant de l'avant, tant de l'attente, disions-nous, établissant ou tentant d'établir une passerelle entre les temps anciens et celui que nous vivons aujourd'hui, pour tenter de dire ce que je veux essayer de résumer brièvement maintenant. Si aujourd'hui encore nous nous éclairons à la lecture de la Bible, comme on s'éclaire à la flamme vacillante d'une bougie en la méditant, en la travaillant, en écoutant aussi ce qu'elle a à nous dire. Ce n'est pas du tout pour le plaisir de faire l'exégèse des textes du temps passé, mais pour faire l'exégèse du temps présent, de la situation que nous vivons et qu'il nous est parfois si difficile
de déchiffrer, d'interpréter, et à laquelle il nous est parfois difficile de trouver un sens. Et ce que nous avons exhumé ce matin en scrutant quelques lignes des grands prophètes des temps bibliques, c'est que si cette parole parfois nous juge, et nous juge sévèrement et avec raison, parce que nos comportements, quand ils sont égocentrés ou quand notre puissance est mal employée et qu'elle nous mène à la ruine, sont évidemment condamnables, la parole de Dieu ne s'arrête pas là. Parce que c'est une parole qui, au plus profond d'elle-même, porte la vie, est pleine de vie. Et peut-être pour prendre une image plus évocatrice encore, et je pense à toutes les mères qui peut-être en ce moment même attendent un enfant, la parole de Dieu est enceinte de la vie. Elle porte cette vie et elle est créatrice de vie. Dieu porte la vie. Et c'est ce message-là qui est au-delà du jugement et de la condamnation. Aujourd'hui, certains attendent que nous prenions des positions peut-être plus explicites, que nous occupions une place plus grande dans l'espace public. Moi, je pense qu'il est bon et qu'il est sain de jouer profil bas, parce que ce temps est vraiment un temps béni pour nous, les Églises. Un temps béni, un temps providentiel, tant il nous rapproche du berceau de notre naissance, tant il nous rapproche de notre origine, de notre source commune. Ce temps, non pas de l'exil d'Israël que j'évoquais il y a un instant, mais ce temps de la première communauté chrétienne, quand l'Église n'était pas encore au centre du village, mais qu'elle était dans les marges, quand l'Église était la modestie et la fragilité même, quand l'Église vivait la fraîcheur de ses commencements. Et aujourd'hui, en ce deuxième dimanche de l'Avent, l'Évangile maintenant ouvert à la première page de l'Évangile de Marc, qui s'offre ce matin à notre méditation, je bute précisément sur ce mot de commencement. Commencement qui est le premier mot que Marc a choisi pour ouvrir son évangile. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et ce n'est pas seulement parce que Marc commence son évangile par le même mot qui ouvre le premier livre de la Bible et que l'on trouve à la première phrase de la première page de la Bible. Au commencement, quand Dieu créa le ciel et la terre, etc., etc. Non, c'est pas du tout pour ça. C'est parce que dans le contexte où Marc écrit ce mot de commencement, il est très probablement à Rome, autour des années 50, au moment donc où les persécutions les plus rudes s'abattent sur les premières communautés chrétiennes. Dans ce contexte où certains d'entre nous auraient pu penser que tout était terminé, absolument tout était fini, que tout était cuit et recuit, eh bien Marc, lui, non. Marc écrit « commencement ». Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et donc, je vois à cet instant Marc assis à son écritoire, dans la solitude probable d'une chambre haute, un rien, un grain de sable reclus, peut-être même planqué dans je ne sais quelle catacombe de la capitale d'un empire que l'on croit alors éternel et tout-puissant. Il écrit pour une toute petite poignée de frères et de sœurs qui se comptent sur les doigts d'une main. Et il leur écrit que non, décidément, tout n'est pas fini. Tout ne s'est pas terminé à la croix. Et le voici qui écrit « commencement ».
commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et après avoir invoqué la haute et inaltérable figure du prophète Ésaïe, le prophète poète, il nous raconte le commencement. Il nous raconte la naissance, la vraie, celle que tous les évangiles attestent et racontent quand Jésus de Nazareth est entré dans le Jourdain et qu'il en est sorti ruisselant, nu comme un ver sans doute, mais qu'il en est ressorti Christ, Fils bien-aimé du Père, investi par l'Esprit Saint, habité par le souffle qui ne le quittera plus. L'histoire n'a pas avorté. Elle a accouché d'un sauveur. Elle a accouché du sauveur du monde. Et cette histoire qui a commencé alors, et que Marc va raconter dans l'urgence, jetant pêle-mêle ses souvenirs en vrac et laissant son lecteur se débrouiller avec, comme si un peu son bourreau était déjà à la porte et allait venir fracasser sa porte, l'emporter, lui arracher sa plume, le crucifier les jambes en l'air, comme le fut son maître Pierre. Marc écrit « Commencement ». Il aura juste le temps d'écrire un très mince volume d'à peine quelques pages qui se conclut pas du tout avec le mot « fin », mais avec les mots, les mêmes mots par lesquels il a commencé son évangile. Vraiment, cet homme était fils de Dieu. Mais cette fois-ci, cette voix ne tombera pas du ciel sur la tête d'un baptisé. Elle montera de la terre vers un crucifié. Et ce sera la première d'une longue et d'une infinie série de confessions de foi qui dure jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, cet homme n'a pas fini d'être le Fils de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'occuper les médias pour raconter cette histoire autour de nous, dans l'intimité de nos foyers, de nos familles, à deux ou à trois, de nous la répéter à nous-mêmes au jour d'épreuve, de solitude et d'effroi, et de la partager aussi avec celles et ceux qui peuvent entendre que là où le monde écrit le mot « fin », les chrétiens, eux, résolument, mettent une croix dessus et ils écrivent « Commencement ». Amen.
Je vous invite à la prière. Éternel, en ce début de l'Avent, viens réveiller notre cœur alourdi, secouer notre torpeur spirituelle. Donne-nous d'écouter à nouveau les murmures de ton esprit qui nous prie, qui veille, qui espère en nous. Ravive notre attente, la vigilance active de notre foi, afin de nous engager partout où la vie est bafouée, où l'amour est piétiné, l'espérance menacée et l'homme méprisé. En ce temps de l'Avent, fais de nous des veilleurs qui préparent et hâtent l'avènement et le triomphe ultime de ton royaume, celui du règne de l'amour. Oui, Éternel, notre Dieu, tourne nos regards vers les êtres sans parole, vers les innocents sans voix. Inscris au plus profond de nous le respect pour tous les êtres humains et garde vivant en nous le sentiment de leur dignité. Au cœur des peuples déchirés, fais grandir la lueur d'un horizon nouveau. À celles et ceux qui marchent dans les ténèbres, offre une fenêtre sur le jour, comme une trouée d'amour. Mets dans nos cœurs et dans nos bouches la parole qui relève et qui sauve, les mots risqués qui ouvrent à un commencement nouveau et signent le temps de Noël. Et toutes nos prières, nous les rassemblons dans celles que Jésus-Christ, ton Fils, nous a enseignées. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, les siècles des siècles. Amen. J'aurais aimé pouvoir vous annoncer comment serait le culte la semaine prochaine, mais à l'heure où nous enregistrons ce culte, nous ne savons pas si ce sera de nouveau un culte en vidéo ou bien si vous aurez des cultes en présence à la cathédrale et puis dans la paroisse rive gauche. Il nous faudra donc encore attendre quelques jours pour le savoir, surveiller vos mails et puis nos sites web. Et recevez chacun, chacune, la bénédiction que Dieu vous accorde personnellement pour chaque jour. Dieu te bénit et te garde. Il ouvre en toi les chemins de l'attente. Il sème dans tes ornières intérieures les graines de foi, d'espérance et d'amour. Amen.